Masolo Tunasi a sacrifié sa femme. Et il est un franc-maçon. Tu n'as rien de sacrifier. On peut sacrifier par la magie. Ce qui n'est pas surprenant, parce que cet homme est dans la franc-maçonnerie. Et je vous dis une chose. Si je mens que Masolo Tunasi est franc-maçon, que Dieu me frappe actuellement. Que Dieu me frappe de mort. Si je mens un seul instant que Masolo Tunasi est franc-maçon. Et vous qui doutez, faites aussi le même défi si vous pouvez. Faites aussi le même défi. J'ai peur de Dieu. Vous savez que j'ai peur de Dieu. Je répète à visage découvert. Masolo Tunasi est un franc-maçon avec sa bande et autres. Et si je mens, que Dieu me frappe instantanément de mort. Si je mens. Que Dieu me frappe instantanément de mort. Maintenant, si je mens. C'est le signe que je demande à Dieu. Vous aimez vous faire tromper. Oh, il a dit qu'il n'est pas franc-maçon. Il a fait une vidéo ou non. C'était une blague. C'était un témoignage. C'était ceci, cela. Je vous assure que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ayons la crainte de Dieu. Vous pensez que moi, je vais me lever un jour comme cela? Je vais me lever un jour, venir déclarer que Masolo Tunasi est franc-maçon si je n'ai pas les preuves? C'est un péché grave, très grave, d'accuser quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait. C'est un péché tellement gravissime. Tellement grave d'accuser quelqu'un d'un péché qu'il n'a pas fait. C'est un péché grave. Nous vous montrons des preuves depuis des années. Les signes kabbalistiques, elles-mêmes, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Voilà le tourmenté Teddy Essono. Cet ancien Gabonais, soi-disant, aide de camp d'un ancien marabout qui fait les vidéos. Teddy Essono qui se donne le titre de pasteur. Les pasteurs improvisés. Teddy Essono qui fait semblant d'être étonné. Soit il est naïf, soit il fait partie de ces gens-là. C'était Kanguka. On a exposé Kanguka comme étant un faux. Dès qu'il y a un pasteur qui s'élève, vroom, il court. Un homme qui s'élève, vroom, il court. Teddy Essono, regarde-moi très bien. Nous venons d'un même pays, le Gabon. Le Gabon, c'est l'un de mes pays, en dehors du Cameroun. Et c'est un pays qui me tient à cœur. Donc, Teddy Essono, regarde-moi bien dans les yeux. S'il te plaît, cherchez le Seigneur Jésus et non les faux pasteurs. Cherchez le Seigneur Jésus et non les faux pasteurs. Envoyez cette vidéo à Teddy Essono. Si vous connaissez de qui je parle, ce Gabonais, qui depuis un certain temps fait des vidéos, il a commencé en témoignant qu'il était aide de camp d'un pasteur et il a découvert la vérité. Aide de camp assistant marabout, pardon, d'un marabout. Assistant de marabout. Et il s'est converti, soi-disant. Dites à Teddy Essono, voilà, Georges t'a envoyé cette vidéo, suis. Teddy Essono, écoute-moi. Cesse de suivre les faux pasteurs. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, ne me suivez pas. Ne suivez pas un homme. Suivez uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Suivez uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dis ceci. Si je mens, je redis encore une énième fois. Si je mens que Masolo Tunasi est un franc-maçon, un sorcier, que Dieu me frappe de mort instantanément. Que Dieu me frappe de mort maintenant. Le Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu me frappe de mort instantanément. Maintenant, si vous m'accusez que je mens, c'est votre problème. Si vous m'accusez, si vous dites que je mens, c'est votre problème. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Donc, envoyez cette vidéo. Noëlla Mosella dit qu'elle connaît très bien Teddy Essono. Envoie la vidéo à Teddy Essono. Faites attention. Ne suivez pas un homme. Même moi-même, ne me suivez pas. Masolo Tunasi a le sang de sa femme sur sa tête. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Incroyable. On annonce la mort
un lundi ou un mardi, je ne sais pas quel jour. Quelques temps après, deux jours ou trois jours, le corps est rapatrié. Le corps est rapatrié. Soit on a caché la mort, soit il y a un problème. Pourquoi cet enterrement précipité? Laissez-moi vous dire que même les chefs d'État, même les grands de ce monde, les grands de ce monde, quand ils meurent, il y a des formalités. Je suis un homme de droit. Ma profession, c'est avocat. Je connais la loi et le droit international. En passant, quand j'ai eu ma maîtrise à Dakar en 1992, ma concentration, c'était droit international. Il y a les conventions internationales d'expatriation des dépouilles mortuaires. Les conventions internationales d'expatriation des dépouilles mortuaires. Il y a toute une paperasse à faire. Il y a tout un processus. Les diligences administratives sont tellement intenses que même si c'est un chef d'État, je me rappelle quand le président Bongo est mort, je ne sais pas si c'était en Espagne, le corps n'est pas venu sur le champ. Le corps n'est pas venu sur le champ. Donc vous allez dire que Marcelo Tinassi est plus qu'un chef d'État. C'est vrai qu'il est avec les francs-maçons, comme le président franc-maçon de je ne sais pas, Tshisekedi, je ne sais pas son nom, qui tiennent, je ne sais pas qui est exactement, comment on appelle cet homme, du Congo, le nouveau président, enfin, je ne sais pas si c'est le nouveau pas. Regardez ce qui se passe. C'était une cérémonie franc-maçonnique, le dôme sur lequel il y avait le cercueil. On n'a pas ouvert le cercueil. Et ce qui, je reviens encore sur la précipitation. En deux jours, il annonce le décès. En deux jours, le corps de Turquie, en deux jours. Voilà, quelqu'un, voilà, merci Mimi Usungu, Félix Tshisekedi, effectivement. L'enterrement, justement, était sous le patronage d'un grand franc-maçon, d'un sanguinaire Tshisekedi. Un président de ce monde, qu'il soit Donald Trump, Joe Biden, Tshisekedi, Macron et autres, Paul Biya, ils ne peuvent pas être présidents s'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, un point, un trait. Et regardez le deuil de Blaise Tshinassi. C'était une célébration franc-maçonnique. Avec tous ces pasteurs. Vous avez vu la présence du PD homosexuel tatou. J'avais publié la vidéo, on a surpris la vidéo de son vocal où il suppliait son amant sodomique. Sodomique d'aller le sodomiser parce qu'il devait prêcher après. Le derrière brûlait tellement qu'il le suppliait. Ce PD qui a divorcé sa femme, et sa femme a divorcé à cause de la honte. Il s'est remarié, multipliant péché après péché. Noël Mezola, merci. Dis à Tidi Sono que je lui parle, qu'il se repente. Qu'il se repente. Ça, c'est quelle naïveté, comme on dit au Gabon chez nous. Ça, c'est quel maboulisme. Ça, c'est que, j'espère qu'il n'est pas naïf. J'espère vraiment qu'il est naïf. Et que ce n'est pas qu'il fait semblant. Parce que ça, c'est quelle naïveté, ça. Tu as été aide-camp d'un marabout. Et tu ne sais pas voir l'occultisme. Et qui est? Là, maintenant, c'est le Camerounais qui parle. Et qui est? Tu as été aide-camp. Et tu ne sais pas discerner le satanisme. Le témoignage de Teddy Sonado, son témoignage à revoir. Son témoignage à revoir. Hey! Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous n'avez pas le discernement, je vous assure. Teddy Sono, suis-moi très bien. Teddy Sono, si tu es connecté, si je mens que Marcelo Tshinassi de la franc-maçonnerie, que je meurs maintenant sur le champ, que je meurs maintenant, Teddy Sono qui dit, Marcelo Tshinassi, viens t'expliquer, viens te justifier. Attends. Franc-maçon va venir vous dire qu'il est franc-maçon. Un sorcier va venir vous dire qu'il est sorcier. Quelqu'un qui sort en vampire, comme on dit au Gabon chez nous. Quelqu'un qui sort en vampire la nuit va venir vous dire qu'il sort en vampire. Même Satan lui-même. Si Satan apparaissait aux gens comme étant Satan, personne n'irait vers lui. Personne n'irait vers lui. Personne n'irait vers lui. Satan ne peut pas apparaître aux gens comme étant Satan. Il doit se cacher. Les faux pasteurs doivent se déguiser en brebis pour infiltrer les brebis et pour les dévorer. Même dans le monde animal. Dès qu'on voit un loup, dès que
les brebis voient un loup, les moutons voient un loup, ne vont-ils pas fuir? Maintenant, à supposer que le loup vient, on a mis le camouflage, la brebis, c'est là où les brebis seront mangées par le loup. Eh, hey, t'es dit, Sono. Alors là, tu m'as déçu. Je t'ai averti plusieurs fois. Je t'ai confronté plusieurs fois avec l'affaire de Kanguka. Tu as fait semblant de te repentir, etc. Tu es dans le milieu de ces faux pasteurs, t'es dit, Sono. Tu es dans leur milieu. Si tu supportes leur vidéo, quand la femme de Maslow Tunassi est morte, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que tu as fait une vidéo où tu disais que elle est au ciel. Mais quel culot! Quel ciel? Le ciel que je connais là, le ciel de Dieu que je sers ou bien votre ciel satanique? Vous vous amusez, hein? Continuez à dire que tel au ciel. Le ciel, aucune impureté ne peut entrer au ciel. Quelqu'un qui meurt sur une table d'opération en train de se faire retirer le vagin ou de se faire gonfler les fesses, ira au ciel. Vous savez, votre maboulisme là, je ne pense même pas que c'est le maboulisme. J'espère bien que ce n'est que le maboulisme, t'es dit solo. J'espère que c'est bien le maboulisme. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous tournez autour de ces pasteurs là. Ils ne sont pas pasteurs. Je t'interpelle. Cette vidéo où tu faisais semblant de t'étonner, enlève cette vidéo et demande pardon aux gens. Sinon, je vais t'ajouter sur la liste des faux pasteurs. Tu n'es pas encore sur cette liste. Jusqu'à cette seconde, je te donne le bénéfice du doute. Mais si tu n'enlèves pas cette vidéo, si tu ne fais pas une vidéo publique pour demander pardon aux gens, comment un aveugle peut conduire les aveugles? Tu te dis pasteur, mais tu ne discernes pas que tel est faux ou que tel n'est pas faux. Je dis encore que si je manque Maslow Tunassi est un franc-maçon, que Dieu m'arrache la vie. Je l'ai déjà dit tellement 10 fois, peut-être 10 fois, ou je ne sais pas combien de fois, 5 fois, 10 fois, 7 fois, que je serai même mort déjà 7 fois. Parce que je parle sur ma bouche, sur ma langue, je ne suis pas encore parfait, mais sur ma langue, quand je dis Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui a le droit, qui a le droit de vie et de mort sur toute créature, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maslow Tunassi a utilisé sa femme comme une poupée gonflable. Toute sa vie. Toute sa vie. Et il n'est pas seul. Tous ces pasteurs-là, ils utilisent la femme comme des poupées gonflables. Et vous allez les suivre. Vous allez les suivre. Incroyable. Un pasteur soi-disant qui prenait sa femme pour une poupée gonflable, qui lui faisait charcuter le corps en Turquie, retirer le vagin par les chirurgiens plastiques, et qui l'a fait mourir il y a quelques jours sur une table d'opération de gonflement de fesses, et qui, malgré sa mort, n'éprouve aucun remords. Quelques heures après sa mort, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait sa fanfaronnade, sa vantadise en faisant des postings sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les réseaux sociaux Facebook et autres, comme si de rien ne s'était passé. Et toi qui me suis, tu continues à suivre un tel individu, même une seule seconde, c'est la preuve que ton cerveau a été mangé. C'est la preuve que tu es sur l'emprise du plus grand envoûtement qui soit et que tu es devenu un zombie. Écoute-moi très bien. C'est la preuve que tu es devenu un zombie. Toi qui continues à suivre un tel pasteur, c'est la preuve que tu es devenu un zombie.